les premières à danser. On ne pouvait pas les laisser tomber. Et comme ils commençaient à faire un tout petit peu frais, on les a vite réchauffés. C'est la merguez, merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Mets-toi à l'aise, sors de ton lit. Viens faire la fête toute la nuit. Oui, toi, mais oui! Je sais pas de quoi tu parles, tu commences tes phrases avant qu'on vienne les mettre. Mais il y a une grosse bite! Elle était facile, celle-ci! Bonsoir à tous! J'espère que ça va bien! Allez, au revoir! Merci beaucoup, c'était Bad Life, à la semaine prochaine! L'eau! Fallait où la musique? L'eau! Ça démarre pas? Non! Et en plus, ça fait mais même quand on veut troller, ça fonctionne pas. Mais quel est ce bordel? Quel est ce bordel qui m'émeut? Qui m'émeut? Ah! Ah, voilà! Ah, ouais. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine, merci de vous avoir passé! Salut! Il est con, il est con. Ah, il est il y avait un gros grésillement, il vient de partir. Il parle de toi, c'est pas très sympa. Ah, je faisais grésillement. Il était con, mais attends. À la semaine prochaine. Il fait mon travail en avance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à sport. Et j'avais promis des tartines sur l'image d'annonce. Le truc que t'as été incapable de m'expliquer, pourquoi t'as dit ça. Donc nous avons les biscottes, nous n'avons plus qu'à tartiner. Mais vas-y, lance ce sport. Voyons si le mec a du beurre dans son frigo. Ah, regardez, il a du plantafin. Ouais, mais c'est pour la cuisine. C'est pas grave, tartine et cuisson. Allez, c'est parti pour sport. Par contre, on n'a pas le bruit de sport, nous. Attends, là, je suis pas sur la... Ah, le salaud. Il vient vraiment faire des tartines, ce con. Et oui. C'est moi, j'en mangerai pas. Et oui, c'est possible avec la carte qui dit oui. Alors, on réentend le grésillement. En fait, c'est quand vous avez enlevé l'image. J'ai eu bon bruit. Aucune idée. Donc, vous avez commencé par contre, à jouer, non? Descends. Parce que regarde, on voit pas correctement si jamais il y a un bug. On voit ta mère. Jug. Attendez, pourquoi c'est vrai qu'on n'entend pas le son non plus? Le couteau! Il y a un bug sonore. Non? Non? Mais ça se trouve, il n'y a pas de musique à cet endroit-là? Bah, en théorie, si. Je sais pas, c'est bizarre. Oui, c'est chelouche. Bon, quelle planète choisissons? Quel taille choisissons? Saucisson. Est-ce que tout le monde connaît sport au moins avant qu'on commence? Si, on entend. Sauf que c'est tout bas. C'est tout bas. Je crois, non? Ah, oh, c'est tout bas. C'est tout bas. J'irais même c'est tout bas.
Calme-toi. Salut Nia. Ah si, il y a de la musique. Oui, il y a de la musique. Mais pourquoi tu fais de la bande musique? J'ai pas du Nutella. Plutôt. J'ai promis de faire des... Ah, t'as du Nutella? Bien sûr. Ah bah voilà, on va faire... C'est du beurre, c'est dégueulasse. Oui, je connais le sport, le tennis. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Bon, est-ce qu'on explique un peu quand même ce que c'est sport avant de commencer? Non. On va découvrir de toute façon... On va découvrir ce jeu qui a bien joué. Allez, lance. Oui, mais quelle planète choisit son nom? Lance de guerrier MDR. Une planète avec de l'eau bleue, rouge, violette. On s'en fout. Prends le premier truc qui vient. J'aime tous les sports. Ah, mais je sens qu'il va y avoir un montage avec Ahmed. Carnivore ou herbivore? Alors, carnivore ou herbivore, le chat. Soit on a de l'ambition. Sachant que je crois qu'herbivore, c'est pas un peu plus difficile. Je pense que si. FDP de Nemel. Salut, mes seigneurs. Bonjour à tous. Salut, Mister Crêpe. C'est Mister Crêpe, nous ne mangeons pas de crêpes, on mange des tartines. Allez voter en sondage. Vous avez pas votre passeport? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Mais personne, il est pas capable de l'expliquer. Je lui ai demandé c'est quoi ce délire. Mais je t'ai expliqué. Bon, allez, il veut les herbivores. Herbivore. On va être un herbivore, c'est cool. On va être un gentil herbivore. Choisissez un thème de quoi? La marche de l'empereur. Oui, mais Angel, elle a dit carnivore. Ah, Angel, c'est voilà. Comment appelle-t-on la planète? Pas l'espèce, hein, la planète. Bad Life. Ah, la planète Bad Life. Et voilà, on fait des tartines en direct. Est-ce que pour le son du jeu, ça va? C'est que je viens de manger, moi. Allez, c'est l'heure de manger une tartine. Qui veut une tartine? Juste ma pine. Tiens. Non, mais je viens de dire que je viens de manger. Tu veux faire bouffer les tartines? Et tu la prends quand même, espèce de nazi, va. Bah, c'est une unité. Et l'espèce, c'est Yui. Non, mais vous êtes gentil. Oui. Est-ce que... J'approuve, Jouge, faut des espèces avec un nom de pseudo sur le chat. Le chat est ta mère. De toute façon, c'est pas tout de suite. Ah. Non, l'espèce c'est USA, le salaud. Je l'avais parié en off. Je l'aurais parié. Je te l'ai dit, je veux dire, ils vont mettre combien de temps à dire US? Et oui, au lit TG, je suis d'accord. Moi, je n'appartiens qu'à Angel. Angel, mon amour. On va manger des petits fours. Un peu de lecture. Dans le sport, le soir que vous opérez se répercute dans le futur. Votre but en tant que cellule sera de manger pour grossir et évoluer. Votre croissance est représentée par la barre de progression ci-dessous. En gros, vous voyez, Agario, bah, c'est pareil, mais 10 ans plus tôt. C'est Agario, mais avec des petits bonhommes. Voici votre barre de progression. Votre barre. Alors, c'est vraiment barre de progression. En mangeant... En mangeant, vous gagnez des points d'ADN à investir dans des éléments de nature. Allez, on va chercher sa tartine ce soir. Donc, on est herbivore, donc faut manger les petits trucs verts. C'était poétique, dis donc, mais oui, c'était poétique. Je ferai tant de poésie pour Angel. Alors nous sommes le petit poisson. Les petits poissons. C'est plus une bactérie qu'un poisson. Nage, les petits poissons. Dans l'eau, nage bien, nage. C'est quoi déjà? Nage. Ah bah voilà, t'es mort comme une merde. Pas moi, connard. C'est qui? C'est un... Ah bah voilà, t'es mort comme une merde. En plus clair, sport, c'est l'histoire de Yue. C'est l'histoire de Yue. Salut Zuzberguez! Non mais c'est une espèce qui mélange l'ADN de Yue et de Mace. Oh putain. Mace et Yue bouffent pendant que leur truc bouffe, normal. Et oui, regarde, c'est moi qui grogille dans le sport. Je me mange du Nutella. C'est n'importe quoi. Regarde, je mange mais, des... Mais tu les as achetés exprès ou tu les avais déjà? Hein? Tu les as achetés exprès ou tu les avais déjà? J'étais déjà à la maison et puis j'ai vu ça. Ça faisait 3 mois qu'elles étaient dans le placard. Exactement, je suis en permis depuis 3 ans. C'est le moment de s'en débarrasser. Bizarre comme mélange, quoi donc. Allez, allons nous accoupler. Oui! Ça, ça peut être émission. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Alors!
peut-être baisser un petit peu le son du jeu, non? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Tous les ateliers permettent à tout le monde de changer de mode d'utilisation. Eh oui! Et saucisson! Vos deux ADN! N! Ah oui! Ça va faire un poulpe gigantesque qui va pondre dans le ventre d'une femme qui va donner un alien. Et je viens de spoiler Prometheus. Alors, ouais, on a pas beaucoup de choses. Ça sert à quoi la pince? C'est ça ce que t'appelles une pince? Non, ça c'est un clou. La pince au-dessus, tu sais, une pince. Ça, c'est pour les carnivores. Nous sommes herbivores, donc nous ne prenons pas on la On peut pince. Devenir carnivore. Mais on, là, on a un stade où on peut encore changer. C'est quoi le petit... Le petit quoi? Le petit... Ouais, le flagelle, ouais, pour c'est ajouter pour de la vitesse. Pour aller plus vite, ouais. Ouais, et ça, c'est quoi, là, la corne? Bah, c'est pour... C'est trop cher. Oui, c'est trop cher, déjà, pour commencer. Mais c'est surtout pour se défendre, si jamais... Ah, ça, c'est bien. Mais bon, là, on a de la vitesse. Tout seul au lit. Voilà. Bon. On peut faire peut-être un truc un peu plus joli. Non mais si tu mets la bouche, tu deviens herbivore, Mace. Il est déjà herbivore. Oui, je suis là, j'ai déjà la bouche pour herbivore là. Alors un œil. Les yeux, ça sert à quoi? Est-ce qu'on lui met les yeux comme on ça? On va vendre les yeux. Les yeux comme ça. Oh, il te. On dirait toi. Hé, hey, regarde, on n'a pas de peau. Oh, c'est beau. Oh putain, mais ça fait quoi ça? Putain, je suis en train de tremper. Oh. Il est anorexique. Ah, on peut devenir omnivore si tu mets la bouche. Omnivore, elle, c'est... Ah, elle m'en a plus les sous. Attends, de quoi tu parles? Alors, omnivore, je sais plus à quel moment on peut commencer à débloquer l'omnivoritude. Et bon, on est parti sur... Il est bizarre. Mais on peut devenir omnivore. Ouais, mais ça, après, il faut... Je sais plus exactement comment on fait, mais... Alors? Les couleurs, Jean-Marie. Les couleurs... Bleu marine. Allez, bleu marine. Allez, bleu marine. Ouais, c'est ce qui va ressembler à du bleu marine, ça, on va dire ça comme ça. On lui fait des petits pustules, comme... Oh, putain, c'est... Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Ah, la beauté. Donc dès, maintenant, dès maintenant, tu peux devenir omnivore, hein, l'ami. Ouais, mais là, j'ai que la bouche pour... Mais tu peux mettre les deux. Manger des cellules... Des vengeances. Ouais, mais c'est pas la même chose. Là, je vais bouffer que de la viande et là. Et on peut pas mettre les deux? Bah, on peut pas avoir deux bouches? Ah, bon. George Bush? Deux bouches, pour le moment, c'est trop cher. Attends. Ah oui, et là, il faut lui donner du coup un nom maintenant à notre. Comment l'appelle-t-on? À notre espèce. Alors. Oui, tu peux mettre les deux. Tu peux mettre oui, les deux. Oui, mais j'ai pas assez de pognon là. Et bah, tu enlèves des flagelles ou tu enlèves des choses. Tu enlèves les yeux. Ouais, bien sûr, et après, on va aller tout lentement, on va se faire bouffer. Et les yeux, ça sert à quoi? On verra plus tard. Oh au moment, on commence... Non mais on peut pas tout avoir dès le début. Si. On peut tout avoir. Oh. Comment on l'appelle? On l'appelle Pelle. Merde, en plus j'ai inversé. Le You est vegan. Le You est vegan. On veut... Ah, Angel veut l'appeler You. Je vais dominer le monde. Bon allez. Pour vous faire plaisir. US. Ah mais non, c'est dégueulasse. Non, non, non. Personne n'a approuvé. Si. T'es le seul. Oui. T'es le seul. Oui. Oh non, c'est sale. De toute façon, on pourra le renommer à un moment donné. Oui. Ah. T'as vu Angel, ils essaient de nous défendre. Et là, le salaud, là. Le mec SDP. Hein. SDP. Oh putain, c'est vieux, ça. Regarde, on mange des petits pustules. Regarde, comme c'est moche. Oh là, les vers, ils sont quoi, eux? Comment ça? Ils sont carnivores. Ils sont herbivores. Là, pour moi, il faut tous les considérer comme nos ennemis, là. D'accord. Non, moi je déconne, je me moque des vegans pour le lol. C'est nul comme nom, mais c'est clair, c'est vraiment de la grosse merde. Ah, je me suis fait. Oh non! Ah, tu vois, imagine déjà si on avait pas le truc pour aller plus vite, déjà, comment ils nous rattraperaient. Oh regarde, y'a de l'herbe. Ouais, faut manger. Donnez-moi de l'herbe. Oh, de la bonne herbe. Tu l'appelais comment, Uace? Pauvre Angel, le mec, mais oui. Uace, mais oui, mon cœur. Il m'a proposé des noms. Il m'a appelé Uace. C'est pas trop tard pour changer. Il m'a appelé Uace, c'est tellement dégueulasse. Donc changer, enfin, proposer des noms. Le temps que... Calme! On avance. Calmez-vous! Oui! Mais oui! C'est possible avec la carte qui, oui, leur faut le moins de 16 ans et ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes. Pétou!
pousse, moi t'es pris, bouffe. En fait, c'est vachement énervant quand je parle. En fait, c'est les destins de Yue Evolution. C'est ça. Bon, vous voulez juste qu'on l'appelle Yue? Non mais je vais être le personnage principal des Sims. Faudrait un jour qu'on avance. En fait. Le Yue c'est bien, non j'ai des gouttes d'or. Non. Plonger encore un peu. Regarde comme il est gros. Tu remarqueras que quand t'es petit, oui. Tu te fais pas manger par les gros gros gros. Apparemment ça va, c'est le début. Non mais dans le sens où là on a l'impression que t'arrives à un endroit. Attends où... là il me poursuit là. Oh le chalot. Vite en fait. Oh la vache. Putain. Je crois qu'il va la bouffer. Oh putain. Attends. Tu te dépêches de façon. Oui, juste Yue mal barré. Oui, juste Yue le Hollywood. Non, pas ça, c'est dégoûtant. Oli, t'as de l'espoir. Allez, alors rends-moi omnivore. Tu veux vraiment une bouche en oui, même temps. Oui, je veux deux bouches. Georges W. Bouche. Et on va les mettre comme ça, cette deuxième bouche. Mais non, c'est chelou ça. Mais comment tu veux lui mettre deux bouches? Une bouche au cul. Oh non, c'est bizarre. C'est bizarre. Human centipède, tu connais. Regarde. Alors, oh, regarde. L'œuvre de Satan. Ah ouais, mais c'est bizarre. Hein. C'est sordide. C'est bizarre. Le holiphage. Oui, pour Yue. Holi TGSTP. Par contre, mon cœur fait attention au langage. Tu mets les bouches l'une c'est sur l'autre. Ah, tu peux mettre les bouches l'une sur l'autre. Non, ça remplace. Oh! Mais tu peux légèrement les mettre l'une sur l'autre à un moment, ça avait fonctionné? Bah ouais, enfin, on peut mettre ouais comme ça. Comme ça, ouais, ouais, rien. Mais le problème, c'est que c'est juste ah, hyper oui, moche. Ah, c'est pas grave. Moi, c'est je veux grave. Un minimum d'esthétique. Mais on s'en fout! Ah non, moi, je m'en fous. Mais non, mais là, c'est pas pratique ton truc. Je m'en fous, je mange par le cul. Mais ça pue la merde ton truc. Pardon, tu manges par le cul. Ça, tu manges par c'est le pas cul. Esthétique. Je respecte la réalité. Mais c'est l'évolution comme un petit que je survive comme ça. Eh ben tu vas prouver que tu en es capable. Mais non. Remets par le contre, truc. Des pics. Mais non mais mets les pics à l'arrière des gros pics. Con. Des pics. Mais ça sert à rien de mettre des pics autour de la bouche. Des pics. Mais moi ça... Mais... Allez on est parti. Ouais, ah. Mais cette bouche. Mais qu'il est con. Regarde. Ça, c'est mon œuvre d'art. Oui, bah oui, mais ça ressemble à rien, c'est ce que je te reproche. Comment veux-tu regarde, avancer quand on sait pas où est l'endroit, où est l'envers. Voilà, il est content. Il a fait son truc de merde, il est content. On devrait d'ailleurs l'appeler Christophe. Christophe l'envers. Oh, putain. Voilà. Toi, j'aurais dû les mettre devant les pics. Tu m'as dit de les mettre derrière, t'es vraiment con. Ah là là, vous êtes grave. Mais c'est lui qui est con, ce monstre va tellement pas survivre 5 secondes. Mais oui, mais il fait n'importe quoi. Regardez si je survive. Putain, pas. Casse-toi. Regardez comment... J'ai pas envie d'être mangé. Sauvez-moi. Ah, c'est vachement pratique, hein, d'avoir la bouche derrière quand t'avances, hein. Gros con. Mais non, mais comme ça, si jamais il m'attaque, je les bouffe par derrière. Voilà, t'es mort. Ah, je suis déçu. Ah, bravo! Bravo! Mais qu'il est nul! Ouais. Allez! C'est l'heure de l'évolution! L'évolution! Jimbon, petit monstre, tu es le champion! Ah, Mister Crêpe! Oh, il y avait un autre Yue! C'est quoi ça? Poison? Ah! Le poison, c'est bien ça. Le poison! Ouais, mais la bouche, ça coûte cher! On peut pas tout avoir. Et ça sert à quoi le poison en fait? C'est quand t'attaques ou... Attends, on va mettre les pics en avant. Non, je crois que c'est automatique, ça met un poison derrière toi. Automatiquement. Ah, c'est génial. Là on est bien là. Franchement, on va mettre les mais pourquoi tu mets les yeux derrière? Mais ça sert parce à... que c'est magnifique. Mais ça c'était vraiment trop nul. Mais mettez la bouche omnivore sur les côtés. Mais oui, mais il veut pas. Il est con. Mais ça sert à quoi ça d'agrandir? Mais c'est pour la beauté. Ça coûte ou pas ça en plus? De quoi? De augmenter les parties? Absolument pas. Là on a quelque chose. Mais ça ressemble à rien ton truc. Ouais, mais là de toute façon on est au stack de bactéries, c'est pas là où ça va ressembler à ah, quelque chose. Ah oui, non mais tu fais pas non plus en sorte que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Ah le poison. Le poison.
Regarde, là, il va me bouffer, tiens, prends mon poids. Ah, prends mon poids, genre dans la gueule. Voilà. C'est génial, ça, le poison. Allez, vas-y. Yui, surveille ton langage. John. Au secours. Mais c'est cool, Yui, pour une fois, mais oui. Mais... vous êtes con, c'est pas de la faute. Oh, mais comment tu l'as tué comme une merde, le pauvre. Ah, par contre, oui, il y a peut-être des innocents qui risquent de mourir. Avec le poison. Ah, mais il se fait tellement n'importe quoi que même le monstre de Frankenstein avait plus de sens. J'aime bien le pour une fois. Empoisonne-le, le gros patapouf. Oh, là, là, là. C'est souvent comme ça, les génies sont souvent incompris. Oh là là, il y a un gros. Il y a un gros patapouf. J'aime beaucoup les algues. Le poison de la douche. Casse-toi. Et toi, tu l'empoisonnes pas, lui. Je crois qu'il est trop gros pour être empoisonné. Oh, le salaud. Courez, bande de fils de pute. Hein. Mais oh là là, faut vraiment réussir à le semer, lui, hein. Bah, c'est heureusement que j'ai de quoi aller vite. Juste ma vie. Je pense qu'on faudra leur ajouter des flagelles quand même pour aller vite. Ouh là là. Wouah, on dirait toi. Ah, c'est donc ça. Je te tue. Oh, putain, l'enfoiré. Wouah, il t'a pas respecté. Oh là 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 là. Tue les mecs avec les lampes. Oh putain. Pourquoi tu veux que je les tue? C'est qui les mecs avec les lampes? Non, mais je pense que c'est ceux qui électrocutent. Aïe 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 aïe. Il a bouffé mon pote. Non. Cours. Non. Cours pour ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu fous? Il est con. Mais c'est fini. Cours. Oh putain, il va me rattraper. Ah putain. Je me fais manger. Non. C'est injuste. C'est très difficile. Il est difficile. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Oh putain. Ah, est-ce que j'ai des Wookiee? Ouais, j'ai encore des attendants. On va s'accoupler. Il faut que nous évoluons. Oh, c'est l'heure du l'accouplement. Darwin a Darwin a mis j'aime. Sur la boîte du jeu, c'est écrit ce jeu a été validé par Darwin. Approuvé par Darwin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je rajouterais bien un petit... Pas, ah, putain, mais pourquoi on n'a pas de thunes? On n'a pas de thunes, on n'a pas de thunes. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on enlève les yeux pour rajouter des... Mais oui, mais si t'as pas les yeux, tu peux quand même avancer. Et ben, je ne vois plus rien, je suis aveugle. En fait, on va voir un stade d'évolution. Oui, c'est dit. On va tester sans les yeux. Oh, et ça donne... Et moi, je vais dire... Finalement, c'était quand même utile. Bouche. Bouche. Chouche. Mais t'es sérieux? Quoi? T'as vraiment mis sans les yeux? Bien sûr. Mais t'es con! On voit plus rien, c'est fantastique! Mais t'es complètement con! Regarde, comme ça, il voyait la différence. J'ai jamais testé sans les yeux. Mets une bouche sur les... Mais on voit que t'es complètement con, mon pauvre ami! Bah, je teste! Ah oui, non mais tu testes avec mon personnage! Tu es raciste, les amis. Mais il se fout tellement à la poubelle, à la poubelle, la logique, non mais c'est clair! Écoutez, c'est pas de ma faute si je suis con! Moi aussi, je veux balancer des éclairs! Ah, bon, on l'a pas encore le truc pour balancer des éclairs. Donnez-moi des bulles! Des bulles! Oh putain! You est pas de vue! Avouez-vous kiffer! Ta grosse merde là? Mais c'est pas drôle, au moins là on s'amuse! Là au moins y a du challenge! Hein? Allez, mange! Mange. Et comment tu gagnes des sous dans ce jeu-là? À chaque fois que je mange, regarde, je gagne un peu. Tu gagnes rien. Oui, mais si tu le tues, tu l'auras. Tu l'auras qui? Un tien vaut mieux. C'est pour ça qu'il faut le tuer. J'avoue, je crois qu'il faut tuer, ouais, il a raison, ouais. De quoi? Pour gagner un élément, il faudrait tuer un... Un gros? Non, pas un gros. Ah, oui, oui, des éclairs. Genre à la suite. Genre éclair, là. Un de ceux qui a les éclairs, il faudrait en tuer un peu. Enfin, ouais, faut pas le tuer aussi. Je vais te piquer le cul. Mais Régis, le poison. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je crois qu'il est mort.
Pourquoi l'autre il n'est pas en prison? Bah alors? Eh oui, mais à mon avis, il fallait qu'il soit gros. Ah, peut-être. Et là, il est plus gros. Oh putain. Voilà, on a perdu l'élément pour toujours. Ah, je sais plus c'est quoi ça. Partir un jour pour toujours. Oh putain. On dirait ton père. Oh, oh là putain! Oh, au secours! Je suis un myriapod. Allez, vas-y. Salut, ajusteur! On joue! H-Port! Oh! Ah, mais oui, quand on a pas mis de bouche des carnivores, Jean Fragile! Pauvre merde. Bah, on était parti sur herbivore. Mais oui, mais on veut une pourquoi, bouche omnivore. Vous changer on veut être omnivore. Regarde, en plus, on a quasiment pas de thunes. La thune, c'est surfait. Ah! Oh là là, qu'est-ce que je suis moche. Ah, tu l'as. Ah, tu l'as vu. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Que veux-tu tuer? Ah! Regarde, lui, il est piquant partout, là. Je crois que c'est le moment d'évoluer. Tuer de sous mes yeux. Oh la vache. Ah c'est atroce. Elle est morte. La violence avec laquelle elle est morte. Et c'est ta faute. Ah, c'est horrible. Bon il doit y en avoir une après, autre. Après c'est vrai que Yui est un cannibale. Putain mais la violence quoi. Waouh. Voilà. C'est horrible comment elle s'est faite manger. Ah écoute c'est la nature hein, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Alors tu vas me remettre des yeux s'il te plaît là. C'est quoi ça? C'est quoi attends, c'est les nageoires là, c'est quoi? C'est pour aller plus vite que les machins. Attends. C'est quoi ces vitesses? C'est... Virage éclair. Ouais. Ah non, ça donne les deux. En fait, c'est la même vitesse mais ça rajoute une compétence. Ah bah enlève les flagelles là. Ah qu'est-ce que je fais? Il reste quoi? Ah mais on a encore plein de sous. Vas-y, mets-moi une bouche. Mais maintenant, mets-moi une... Non, mais avec les deux. Ah, quel schwag. Oh, ce schwag absolu. Et là, les yeux sont de retour. On dirait un oiseau. Mais moche. Ah, oh, mais c'est donc ça. C'est donc ça. Avec un gros avec cul. Avec un gros cul. Mais ça sert à rien. Comme je sais. Comme c'est moche. Ah, c'est... Oh là là. C'est magnifique, Gertrude. C'est putain. Mes deux yeux. Tu es belle. Comme tu... j'espère qu'Angel, elle est fière de son Yue. Ah ouais, ah mais il avance par saccade comme ça. Il fait MDR, je nage. Il est beau maintenant. Faut peut-être pas exagérer, Angel, hein, il est pas beau. Tu vas tu le... Ah! Allez, vous fuir. Fuyez, bon fou. Nous sommes polyvalents. Oui! Il avance bizarrement quand même, je trouve. Ah bah, maintenant que tu le dis. Qu'est-ce que c'est que t'as dit? Lui, il le suce. Il le suce? Mais je crois que c'est eux qui sont au pouvoir. Ceux qui ont les super bouches comme ça. Si j'arrivais à le tuer, peut-être que j'aurais vraiment la vraie bouche au pouvoir. Non, non, t'es trop frais. Suke! Suke! C'est dans quoi ça déjà? C'est pas dans Pokémon? Je sais plus. Si, je crois que c'est dans Pokémon, le premier ouais, film. Le film, ouais. Suke! Non! Si! Si, 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 oui, que Jesse et James sont déguisés oui, en viking. En viking. Mais maintenant que tu as une bouche, attaque! Attaque des clous. Oh! Tu as gagné un nouvel élément! Oh mon cerveau grossit à vue d'œil! Qu'est-ce que t'as gagné? Ah, t'as gagné un cerveau? Oui! Vous êtes sur la voie de l'intelligence, Pokémon le film! Souké! Attends, avant de rejoindre la terre ferme, si on pouvait réussir à débloquer. Oh le pauvre! Vas-y, bouffe-le là. Débloquer. Mais non, mais il est avec moi. Et alors? Non, il est vraiment trop gros.
En fait, faudrait... c'est ça qu'il faudrait réussir à piquer pour vraiment être compris. De quoi? C'est son truc là, son dard. C'est vrai, c'est son dard, c'est un dard ouais, de ouais, Gryffondor. Ouais, ça me souvient bien, ouais. Bah, faut grossir alors. Ouais. Allez, mange-le. Je sais pas si on peut encore grossir. C'est vu qu'on est à la fin. Si, si, regarde, 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 regarde. Il y a des gens fragiles là. Ça, allez, vas-y. Des cailloux. C'est pour aider à la digestion. Allez, bon, okay. Regarde, lui, nique-le, nique-le. Et t'avais trop d'yeux. Rien à foutre qu'il soit avec Yui, Yui il est cannibale. Alors, non mais je crois que je suis pas... Tu crois que tu peux plus grossir? Ah, en plus j'essaie de croiser éventuellement d'autres omnivores, mais qui seraient plus petits, mais je crois que... Si, vu que tu peux te reproduire. Tu peux te reproduire. Reproduis-toi. Si, vu que tu peux reproduire. Quoi? Reproduis-toi. Oui, mais il faut déjà que je pique les éléments. Là, je l'ai pas à la bouche. C'est quoi ce sale hadron là? Bah, c'est là pour le coup, c'est pour aller encore plus. Ah, bah vends des trucs là, vends des. Prends des. Vendez! Voilà! Voilà! Par contre, mets les tentacules là, non? Mais non, mais pourquoi tu mets ça encore en tant que. Tu me mets de quoi? Mais Mais. Bah, je t'écoute! Baby! 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 Oh non, mais mets des jambes! C'est trop tôt pour les jambes. Bah, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Monsieur est plus intelligent que tout le monde. Vendetta. Des tas de quoi? Donc voilà, donc c'est ce que j'ai, donc je remets ça. Mais de toute façon, on va sortir de l'eau, ça sert à rien. Ta gueule. Mais ça sert à rien. On a dit qu'on cherchait la bouche omnivore. Non, peux évoluer pour les jambes. Oui, ça je sais. Mais on est trop petit. Mais là, on cherchait un moyen d'être vraiment omnivore. Comment ça se fait? Sauf que là, tu crames tout ton fric pour rien. Mais non, parce qu'après, si je mange, je mange. Allez, 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 allez. Essaye lui, là. Lui, là. Non, mais je crois que je peux plus. Ouais, tant pis. On revient sur Terre. C'est trop dur. Bravo, 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 Léo. Vendetta. Oh, tu es mort. Oh là 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 là, quand je me suis retrouvé sans jeu, c'était magnifique. Il arrive sur Terre. Il arrive sur Terre. Là, on peut mettre des jambes. Ah, des belles jambes. Pour un monstre bien moche. Alors, tu veux quoi comme jambes? Alors, on a la même caractéristique. Et c'est laquelle qui coûte la moins chère? Non, c'est complètement pareil. De toute façon, ça change rien, elles se ressemblent toutes. C'est juste... Non, elles sont différentes. Allez, la troisième, on met la troisième. Ça? Oui. Pourquoi? Comme ça. Est-ce qu'on en met une? Non, mais ça marche. Non, mais arrête de mettre des trucs de mongol comme ça. Ah! Ah, qu'il est moche! Oh, mais c'est ça. Non, mais on dirait un pénis. Bah, c'est bon, bah, ça te ressemble. Ça te ressemble tout à fait. On va chez le vendeur de jambes, mais ça sert plus à rien les trucs là! C'est parfait! Mais attendez, mais qu'est-ce que tu. Ah, attends, il y a des nouveaux trucs? Mais on est quand même sous l'eau! T'inquiète, on va monter. Et là, le mec, il a envie de charmer. Il faut que tu. C'est comme pour le dessin du Yui, tu dois me laisser faire. Sinon, c'est pas drôle, sinon, à chaque fois, tu te plains et on fait jamais rien. Et bah, moi, je vomis! Et pourquoi il y a du Nutella? Parce qu'on a fait des tartines. Tu n'as même pas rangé le Nutella. Non! Oh là 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 là, ça ressemble à rien! Je crois que ça va être drôle qu'on va le voir marcher. Le messie! C'est genre il sort de l'eau! C'est un mélange d'éléphant et d'autruche. Regarde, il sait même pas nager. C'est genre c'est le sous-marin en même temps. Il peut sortir la trop. Oh putain, mes envahissent la terre, les godards! Mais quoi? Les connards! Ouais. Mais comment veux-tu que ça puisse survivre un truc? C'est la Vénus de Milo. Que vous m'avez redonné envie de jouer à ce sport. Ah bon? Je sais pas si Angel va assumer là, tu vois. Je me demande si. Pourquoi?
Vous êtes maintenant une créature entourée de vos congénères. Vous, entourée de vos cons, oui. Pourriez-vous de croiser les autres espèces de la planète et gagner de l'ADN? L'ADN remplit votre barre de progression. Voyons voir. Ils sont 5 et ils iront pas loin. Et pourtant, tu vas voir, ça va être magnifique. T'es là. Vous êtes omnivore, manger des fruits ou de la viande, trouver un nouvel élément pour évoluer. Tu vois, là, tu es face à un des plus grands prédateurs de toute son époque. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est lui qui va dominer la planète à la fin, quand même. C'est très moche. Jacimon, c'est trop chaud, André. Il était quand même très mal barré. Oh tiens, justement. Sport est gratuit, pas du tout. Mais après, je pense que tu peux le maintenant, tu peux le trouver. Tu peux le trouver par, pour quand ils font des promos sur Origin ou Steam, tu l'auras à 2€. Hein. Cri d'amour. Pour trouver votre moitié excédée à l'atelier des créatures, vous permet de changer d'allure et d'ajouter des éléments que vous avez trouvés dans votre environnement. Mais bon, ça, c'est pas nouveau, ça. La Raymond Barre de progression. La marche ultra ridicule. Putain, c'est vrai, quoi. C'est un peu grave. Oh, y'a même un bébé. Arrêtez de dire qu'il est moche. C'est le Yui Malbar. Ça pourrait être votre enfant. Est-ce que si c'était votre enfant, vous diriez qu'il est moche? Oui. Moi... Hashtag épilepsie. Ouais, j'ai trop... Tu vois, on peut pas être aussi mal croisé sans aucune conséquence sur le psychisme. Bon, il est un peu autiste sur les bords. Et alors? Allez, vas-y, avance dans ton environnement. Allez, allons rencontrer nos chers voisins. Nos voisins. Allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Mais qui est-ce? Il a une bouche. Une bouche barbe. Une bourche. Vous avez croisé de nouvelles espèces sur Asami ou Edmi, déficit des attitudes sur votre choix. Chantez, grogner à son intention. On va chanter. Ça pourrait être votre copain. Allez, on va plutôt pacifiste. Oui, on chante. Celui qui chante. Et voilà, on a des poteaux. Alors, ça pourrait être votre copain. Ah bah c'est vraiment Yui, il danse pareil. Je veux cette danse de Yui Malbarré dans le générique de Pad Life. Vous en aimez le petit copain de Yami. Le mec avec la trompe d'éléphant, on dira le monstre de Monstre et Compagnie, c'est exactement ce que je pensais à Mr. Crepe. Lequel? Bah le petit, on dirait, tu sais, Bobrazovski. Bobrazovski! Je pète un boulon. Ça y est, on est potes. Ouais, je poto, bien ou bien? Allez, on va aller se reproduire une fois de plus. Pardon? C'est Bob, mais en bleu. C'est le bon pays! C'est moi qui chante comme ça? Ah, mais c'est pas ça en fait ce que je voulais faire. Oui, c'est toi qui chante comme ça. C'est ça. Oh, quelle belle voix! C'est le bon pays! Imaginaire! Où tu manges des tartines. Des tartines au beurre! Non, des tartines de Nutella. Mais non, on peut aller manger des tartines au beurre! Salut Florian! Bon alors? Bienvenue sur Bad Life! On baise ou on baise? Ah, qui est-ce que je vais pécho Yui? Regarde, on va se tromper avec notre trompe. Qu'est-ce que... Regarde ça. Voilà. Ah, mais je... Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Il a une érection, regarde. Il remonte la trompe. Bon, allez, on va essayer de travailler un peu ça. De quoi, l'érection? Oui. Ah, parce que c'est moi qui fais le... Ah, c'est... Non, mais c'est moi. Ah, j'ai accouché. Atelier de créatures. Bon, sérieusement. Est-ce que je te laisse la souris pour modeler un peu ta créature? Allez, vas-y. What the fuck? C'est pas ce jeu, ça s'appelle sport. Monsieur qui se plaint. Aïe. C'est quoi ça? Non, déjà, vends des trucs. Vendez tout. Mais ça sert plus à rien. Oui. Pareil, ça sert plus à rien. Oui, mais c'est pourquoi je te dis vendez. Même ça, le poison, là. Mais ça semble vraiment rien ce que t'as fait. Hein. Bah, c'est pour ça que je te donne la souris pour que tu... Comment tu fais pour sélectionner les parties? Pour éviter de me faire une trompe débile comme ça. Ah... Oh! Vas-y, tu modèles! Non, mais je te laisse faire. Ah, tu prends la flèche comme ça et tu... En gros, tout se joue avec la colonne vertébrale que tu modifies, que tu agrandis et rétrécis, et avec la molette... Moi, je veux avoir deux... Tu grossis. Je veux avoir deux paires de pattes.
Oh, quel oh, qu'est-ce que c'est moche. Oh mon dieu, mon dieu, une grosse paire de couilles derrière. Hein. Tu crois qu'on peut réussir à faire ça? À mon avis, oui, il y a moyen de faire des trucs bien dégueulasses. Ouais, ouais, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup nos picots. Tu veux faire un truc à quatre pattes? Attends. C'est un chien. Yui rêve d'être un chien. Qu'est-ce qu'il a l'air con! On pourrait peut-être aussi changer les couleurs. C'est quoi ça? Bras blindés, c'est quoi ça? Bah ça, c'est des bras un peu squelettiques, quoi. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? C'est des pieds. Non, ça c'est les mains, ça. Ça c'est les mains. Tu peux taper avec ça? Bah c'est écrit. Quand tu mets la main dessus, t'as frappe ou pause. Donc c'est le vert c'est pacifique et le rouge c'est la violence quoi. Et tu peux choisir les donc, deux. Donc c'est toi qui joues. Oui, en l'occurrence t'as les deux. Mais c'est toi du coup qui choisis avec tes éléments. Ah mais c'est moche. Si tu vas être plutôt pacifique parce que là c'est des mains. C'est pas des pieds. Ah. Les pieds c'est à côté. Voilà. Ah. Et donc c'est toi en fonction de ce que tu vas choisir là, ça va déterminer si on va être plutôt pacifique. Ah. Alors on est les copains, on est plutôt pacifique ou pas pacifique? N'empêche, tu te plains, mais t'as gardé la trompe, hein, j'aimerais bien. Oui, non, mais attends, 30 secondes, là. Putain. Mais c'est pareil, c'est moche. Ça, c'est quoi, ça? Cimeter, c'est quoi? Pour frapper? Ça, c'est une arme, ouais. Ça, c'est toutes les armes, là. Dévoreur, c'est quoi? Ça crache du poison, en part. Pacifique. Ça. Attends, on va enlever ça aussi, là. Il n'y a plus de bouche, il ne peut plus prendre, il ne peut plus manger. On dirait une grenouille un peu. Hein. Elle est où la bouche? Dans ton cul, dans les premiers trucs. Bouche. Donc herbivore, ça, herbivore. Ah bah du coup on a perdu notre... Putain, merde. ...qualité d'omnivore du coup. Ah merde. Oui, bah oui. On peut pas l'annuler? On pourrait éventuellement... Non, éventuellement plus tard, si on arrive à tomber sur une bouche herbivore, omnivore, on pourrait... Cri d'amour. Morsure, champ. Mais c'est, de toute façon, c'est pareil. Oui, mais après, c'est toi qui choisis voilà, ce que tu préfères. Après, tu peux modifier les éléments qui seront plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais deux bouches comme ça, mais c'est dégueulasse. Ah, parce que c'est. Attends. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une bouche. Mais c'est moche! Mais c'est quoi ça? Herbivore au pire, bah de toute façon t'as pas le choix, bah oui! Un mec qui va mettre des yeux sur des yeux. Mais il est moche comme ça! C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi ça sert à ça. C'est pour les oreilles, malheureusement. Mais ça sert à rien. Escargot. Voilà, je viens de mettre pas vrai ici. Oui. L'ardieux. Que... On va souvent être dans le menu avec le lit, alors si on prend 30 minutes avec le lit. Mais oui, mais en même temps, tu me demandes de faire alors que moi j'y connais pas grand chose. Bah oui, mais après, quand je vais, tout le monde se dit oh, mais il dit n'importe quoi, c'est quoi ce mec. Mets des yeux noirs, allez, vas-y, moi j'écoute le chat, on met des yeux noirs, des vidieux. Voilà, comme ça il a l'air très con. Ah non, mais enlève les. Ouais, les... Ouais. Attends, non, tu. Ah. De toute façon, avec la molette, tu peux zoomer et dézoomer, je crois. Non. Ah oui, ça c'est bon. Ou alors c'est avec ça. Mets ton jean noir, ta chemise blanc cassée. Alors, furtivité, charge dense. Danse, sprint, charge, donc, vitesse. Si on est pacifique, faut plus prendre la danse. Hein. Danse? Genre ça? Mais plutôt niveau 2, plutôt, je pense. Et bien, il y avait dans ce niveau 2. Oui, niveau 2, n'importe quel niveau 2. C'est moche, hein? Oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ça a l'air un peu moins moche. Ouais, ça colle plus. On va se mettre deux fois la même ou on peut mettre deux? Dresse-le! Elle parle de ton sexe. Ah, tu... tu veux que je le dresse mon cœur? Bon, je vais le dresser. Alors, ce genre de conversation, j'ai. Merde, attends.
Ah putain, mais ça veut dire qu'il faut... Bon, attends, je vais... Oh, je vais faire un dinosaure. Quelle idée vous lui avez donnée, là? Ah non, il est trop... Il va nous faire un diplodocus. Attends. Ah, vas-y, vas-y, je t'occupe, fais-le. Par contre, on a du grésillement un peu. Il manque 5 grésillons. Ouais, par contre, réduis un peu derrière, là. Toi? Ouais, il y a les jambes qui viennent. Il faut tourner la tête. Là, je suis à fond, là. Ah, voilà! Tu veux que je le dresse, mon ange? Voilà, c'est bon, je le dresse. On a un truc à peu près où, là? Voilà. Démerde-toi avec ça. Voilà! Mais il a pas d'yeux? Ah si! Voilà. Par contre, mon gars, t'es un petit peu gros. Par contre, on peut pas le baisser? Mais on dirait un chien. Tu veux qu'on le redresse? Non, mais tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est ta créature. Tu es maître. Il lui faut une queue. Attends, arme. Déjà, on va mettre du poison. Ça lui fait un gros boule. Hein. Alors, le lance-poison, généralement, il vaut mieux le mettre où ? Peu importe, là, après, c'est... Tu voulais une queue, voilà. Voilà la queue. C'est son aluche. Il envoie du poison par son cul. Crachat. Alors là, tu mets là de nous faire un guerrier, là. Je crois qu'on était pacifique. Mais il faut quand même pouvoir se défendre. Ah oui, mais là, tu nous fais des armes de destruction massive. Il est beau, c'est Spyro le dragon. Oui. Voilà. Alors après, tu peux faire des modifications, par exemple. Genre, ça... Oh oui, oui, mets-lui du grosse corne. Ah, oh, il est beau comme ça. Qu'est-ce qui est ridicule? C'est ses boobs, fais-lui des boobs avec. Qu'est-ce qui est ridicule? C'est Satan. Ah non, on pique. Ça donne un côté mignon. Ouais, non. Ouais, comme ça, ouais. Oh, la violence. On veut plutôt des écailles. Hein. Non, il a l'air d'un con, là. Eh, je ressemble à quelque chose, là. C'est quoi cette deuxième couleur? Qu'est-ce qui t'arrive? Sa queue. Ah, mais sa queue. Ah, celui que c'est ridicule. On peut l'agrandir, tu crois, la queue ou pas? Un violet, ouais. Sur les pattes. Ouais, il est beau comme ça. Bon, il est pas exceptionnel, mais... tu peux agrandir ça, hein. Non, je peux juste enlever ou grossir comme ça, à la limite. Oh putain. Ça lui fait un gros boule. Ouais, enfin, oui. À la limite, ce que je peux faire, attends. Oh, mais non. Mais non, là, il a l'air d'un con. Ah si, ça lui fait une petite queue. Mais non, mais il a l'air d'un con, là. Regarde, ça donne quelque chose. Ça part de violet, de queue ridicule. Regarde, là, il y a quelque chose. Il est raccourci... Ouais, raccourci-le un peu à ce niveau-là, là. Quoi? Tu peux pas le faire en sorte qu'il soit moins... Ouais, bah vas-y, on essaie comme ça. Allez, c'est parti. Bon, après, les jambes, c'est quand même assez... Voyons voir un peu sa démarche. Ah, il marche bien! Fais-lui des boobs avec ça, une ventouse dans le cul. Mais il marche bien! Oh, le beau bébé. On dirait juste un lamastico. Une ventouse dans le cul. Oh, regarde-le. Oh, il est trop chou! Pardon? Apprends à cracher. Ah mais ça... Ouais mais ça met tout en hauteur en fait là, c'est chiant.
contre le mec qui l'harcèle dans le métro, des boobs empoisonnées. Il aurait fallu le pointer vers le sol, en fait, le truc. Avec un bruit de cochon, non mais c'est ça. Mais c'est trop mignon. Et il a grandi, notre bébé, à l'ombrano. Mais c'est-à-dire que quand, là, quand il, tu le fais pousser là avec le truc de poison, ça catapulte totalement dans les airs, en fait. Je m'en fous. De toute façon, on est pacifique. Salut, Edgy et Jim. C'est chou, mais étrange. Mais non, c'est pas étrange. C'est pas étrange. C'est pour les très grands ennemis, le voisin, mais c'est éclat. C'est pour lui balancer dans les yeux. C'est pour les ennemis volants. Bravo! Il a gagné à Cherbourg! Youhou! Votre cerveau évolue, votre espèce gagne en intelligence et sera bientôt doué de sensibilité. Vous pouvez désormais inviter un ami à rejoindre votre meute et vous aider dans vos aventures! Allons demander à un ami. C'est chou, mais c'est étrange, c'est comme lui. Pamak! Les amis, les copains, vous êtes où? Je danse, MDR! C'est bon, les copains. Il est presque cute ce monstre, mais aussi étrange. Mais non, il est trop mignon. C'est vrai qu'il fait vraiment bruit de cochon. Hein. Bonjour, bonjour! Vous avez ajouté une créature à votre meute, chassez, chantez, dansez, elle vous suivra partout. Tout, 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 vous serez toutes les zizi. Alors... Oh, il est trop mignon. Allez, on va se faire des nouveaux potes. Nous sommes potos, wesh! Bravo! Bravo de vous! Par contre, faut changer sa bouche pour plus qu'il fasse ça. Pour plus qu'il fasse les bruits de cochon. Bah quoi, ça te dérange? Ça te dérange, t'as raciste des cochons? Alors, est-ce qu'on pourrait trouver des éléments? Oui! Trouver de nouveaux éléments pour évoluer. Il est mignon. Il est mignon. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de carcasses pour le moment. Non. Non. Ah, regarde. Les gros yeux. On devient amis. On s'ajoute sur Facebook. On s'ajoute sur Facebook, j'ai plus un. Oui, c'est tous des porcs. Non, j'ai pas regardé un peu. Tu sais ce qui est... Eh bien, c'est ça qu'on a toujours pas expliqué le concept à ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas. Mais là, le ciel qu'on regarde là, s'il y a des planètes dans notre système solaire, on les voit, on les verra du ciel. Quoi. Oui. Et s'il y a une lune et tout, on la verra. Allez, vas-y, fais-toi poteau. Parce qu'on n'a pas expliqué le concept. C'est-à-dire, reste centre-toi par contre. Là. C'est qu'on commence à la vie bactérienne, comme vous avez remarqué. On évolue vers une vie animale, comme vous l'avez remarqué aussi. Et ensuite, on suit les différentes étapes de l'évolution intelligente. Oui! En passant par une étape tribu, civilisation et enfin spatiale, où on va dans l'espace. Oui! Et on se voyage. Ce stream n'est pas halal! Et on voyage dans toute la galaxie. Donc c'est un jeu qui a. C'est trop de bruit de cochon. Les lucières sont vos amis, trouvez des machins. Hein. Trouvez des nouveaux éléments pour évoluer! Oui! Oui! Par contre, toujours, on te voit mal, gros patapouf. Mais arrêtez là. C'est la caméra qui est mal foutue. Ah, elle est mal foutue, on l'a mal réparée. Alors là, on a quand même gagné pas mal de thunes. So much money, bitch. Tu peux voler aussi après, plus tard. Ouais, tu peux avoir des ailes pour... Ah, il s'est passé quoi? Pour à peu près planer. En gros, c'est qu'il a fait un truc que nous, on n'est pas capable de faire. Ah, le chalot. En fait, là, le concept, c'est d'imiter ce qu'il fait. Le problème, c'est que là, comme il fait un truc que nous, on n'est pas capable de faire, bah, ce qu'on fait, nous, ça le rend pas très content. Mais bon, on a quand même réussi à le convaincre. Mais après, plus tard dans le jeu, ça sera un peu plus difficile, forcément, si on n'a pas les bons éléments. Allez, vas-y. Ah, là, c'est bon, il danse, on peut danser. Oh! Quand il danse, on dirait Yatta! 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 La 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 la!
La 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 la. Ça fait quasiment une heure qu'ils jouent et ils expliquent que maintenant. C'est clair. Ouais, je pense que des gens se sont rendus compte quand même. Bah après, c'est pas... tu peux pas le deviner qu'à la fin tu vas dans l'espace. Ah oui, non mais bon, après. Les volas sont vos alliés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait. Il était déjà 21h57. Est-ce que tu veux passer une dernière fois par le mode. Allez, on passe une dernière fois par le mode création. Histoire d'améliorer un peu, puis on continuera une prochaine histoire fois. D'améliorer UA. Attends, je regarde s'il n'y a pas des carcasses. Ah. Non, je ne vois rien. Eh ben, crie. Crie d'amour! Wouh! 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 Oh, les yeux! C'est quoi ça? Graine? Waouh, on dirait un insecte! Oculus! En fait, ça change rien, hein. Non, mais c'est. Oui, là c'est purement esthétique, hein. C'est juste que ça te donne la vue, quoi. Attends, il est quand même. Il a un peu une gueule de con, quand même, hein. Je sais pas, ça, ça le connaît un petit côté mignon, les yeux noirs, comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est des mignons. Hein? Y'a pas d'autre bouche. Ah! Défense! Herbivore, cri d'amour. Morsure niveau 1. Chant niveau 2. Oh, là, regarde. Oui, il faut lui changer la bouche. Enlève l'angle, voilà, c'est là déjà. Regarde. Oh putain! Ah oui, comme t'as tout construit sur la bouche, ouais, ça va enlever le reste. Comment ça? Tant pis, tu remettras. Hein. Ouais, voilà, c'est par exemple, tu fais ça. Et pour. Mais oui, le problème c'est que là, il y a un truc qui va plus. Ah ouais? Putain, il est pété quand même. Ah! Mais que fait-il? Oh là là, il est en train de tout décasser. Il casse, ah! Il casse tout! Oh mais non, ça lui fait une putain de sale gueule là. Ça lui fait un genre de vieux groin, je lag, grossis la tête avec la molette de la souris. Oui, j'ai vu. Merci en tout cas. Ouais mais là il est devenu moche pour le coup, tu vois. Il a juste une gueule de con maintenant. Mais non. Avec ce putain de groin de merde là. Et on peut lui mettre des mains, tu crois? Bien sûr, tu peux lui mettre des bras et après tu peux lui mettre. Alors ça c'est mains, bras et jambes. Donc ça ce sont les bras, les jambes. Mais ça c'est les versions membres exosquelettiques. Oui. Bras blindés. Vitesse niveau 1. Mais c'est quoi l'avantage de ces trucs-là? J'ai pas bien compris. Ça a aucun avantage, c'est juste purement esthétique. C'est purement esthétique? Oui. Ah, ça n'a aucun intérêt alors. Oui. C'est juste si tu veux faire un look un peu... Un peu genre MDR, je suis pas très halal. Alors. Attends, on va redresser, on va le mettre un peu plus vers le bas parce que... Sinon ça sert à rien. Voilà. Le dévoreur, ça fait quoi, tu dis? Je sais pas, j'ai pas... Alors je mets un crasher là au cas où, tu vois, pour me défendre. Et ça c'est quoi la grosse attache? Furtivité, charme. Alors charme c'est pour justement les trucs pacifiques quand tu fais des relations avec les autres villages. Sprint, attends, saut. Si tu veux planer, c'est ça. Ah, c'est génial ça. Il a l'air très con comme ça. C'est Spyro le dragon.
Darwin ne sponsorise plus. Voilà, regarde. Ah. Mais c'est devenu très moche. Ah, ah. Il était beau pendant un moment. Et puis après, il est un peu plus mal. Ça s'est fait ça. Ah, tu rajoutes de la santé. Oui. Et charme. Furtivité, charme. Une petite fleur sur une petite plante sur la tête. La gueule de ce truc. Faut pour faire des retours arrière, c'est Non, on a vu rien. Donc les pattes comme ça arquées, tu vas les garder. Ah, pardon. Voilà. On est d'accord. Saut, charme, charme, charme. Mais c'est. C'est quoi ça? Oh! Voilà, c'est pas grave, ça ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Voilà! La beauté! Le truc fait 3 mètres de haut, mais c'est pas une feuille sur la face qui va le rendre furtif. Oh! Oh mon... J'ai cru que c'était la musique de Jurassic Park. La gueule du machin. Angel, est-ce que tu assumes toujours? Bordel. C'est si beau. C'est un beau l'amour. Ça va pour un autre nid. Suivez-les pour vous reproduire, vous installer autre part. On fera ça la prochaine fois. Et oui, nous ferons ça la prochaine fois. Sauvegarde. Sauvegarde en cours. Ne retire pas la carte mémoire. Sur la partie planète pas de life et sauvegarder. Donc on va faire une mini pause. Vite fait. Elle assume vite fait. Ouais. Et on va continuer ensuite avec la démo de FF15. Laquelle? Qui est sorti récemment. C'est la dernière démo. C'est qui est sorti, je crois, la semaine dernière. En date. Non, il y a 2 semaines maintenant. En date. Qu'on va découvrir, qu'on a jamais fait, qu'on va découvrir ensemble. J'ai pas fait la première démo, donc bon. Et toi, t'as pas fait la première, mais c'est pas grave. On la fera une prochaine fois. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Yeah. Oh. Attends. Ah, il fallait préparer. Oui, qu'est-ce qu'on... Oh, mais tu n'as rien préparé. Pauvre merde. Ah, je suis désolé. Pauvre merde. Ah. On va te taper. On va te taper. Peggy 12. Je suis Ryu, le grand maître du karaté. Yo gros, on va se mettre à un peu de chauffage. Premier round. Tu l'as deviné, j'aime faire l'avion. J'arrive, chouchou. Il est encore torturé fusillé dans les jupes de ta mère. Mon corps d'acier est invincible. Reste en chien face à mon psycho pouvoir. J'ai un miroir dans mon masque. Premier round. 2 minutes, je te finis en 2 minutes, mais pas comme Taemo. Je suis Rachid, l'homme d'Orient qui lâche des vents. Et crois-moi, tu vas t'en souvenir. Yoga. La tac 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 tactique. Yoga. Du gendarme. Vous préférez peut-être avoir un aperçu de mes autres talents cachés. Heil Hitler. Tu peux parler à ma main. Guitare invisible.
Oh, depuis l'enfance, je maîtrise le poison. Au nom de la lune, je vais te punir. Hadouken, Hadouken, Hadouken. Passion nichon. Moscow. Yo, envoie tes couilles. Rayon magique. C'est parfait. Le poison. Les bouboules. Je suis un oiseau. Cuit. J'envoie la sauce. Samouraï. Cesse de faire le con. Et embrasse ta maman. Yes! Yes! C'est moi, ton daron. Pouvoir de mes muscles, ça fait mal au cou. You are a pirate. Yar, har, fiddle, dee. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. You are a pirate. Yeah. We got us a map to lead us to a hidden box that's all locked up with locks and buried deep away. We'll dig up the box. We know it's full of precious booty. Best open the locks and then we'll say hooray. You want us a pirate and free. You are a pirate. I are a hoy and a bass. Dinky dee dink and dinky dee fast. Hang the black flag at the end of the mast. You are a pirate. We're sailing away. Adventure waits on every shore. We set sail and explore. And Ren and Jem all day. We float on our boat until it's time to drop the anchor. Then hang up our coats until we sail again. Below, you are a pirate. You are a pirate.